Bonsoir à tous, c'est la libre antenne, ça commence. Ami méthanaute, ami modératrol, ami troll, bonsoir. Donc comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. Ce soir on est avec Anis Alfeda. Évidemment tout de suite. On se pose la question pourquoi tu as un masque. Tout d'abord, bonsoir à tous. Bonsoir. Si j'ai décidé de porter un masque et de paraître ainsi devant vous aujourd'hui, c'est pour raison professionnelle et artistique, on va dire. Voilà. Ouais. Non, je comprends, mais évidemment, tout de suite, j'ai vu sur le chat que ça trollait à bord. On me disait, oui, voilà, invité mystère, etc. Donc bon, pour comprendre, pour être sérieux, c'est vraiment parce que ça peut mettre en péril de façon certaines de tes activités. Les compromettre, on va dire. Les compromettre, voilà. On va dire les compromettre. C'est la première fois qu'on fait une interview comme ça masquée. Ah mais j'ai pas peur des filles. Moi on m'avait suggéré de mettre un masque aussi. Alors je sais pas, peut-être j'aurais bien accepté pour faire l'équivalence, ils auraient été moins choqués peut-être. Non, je porte ma croix tout seul. Tu penses ta croix tout seul. En tout cas, voilà. Donc bah, voilà, on me dit bonjour, voilà. Ça, bon, ça rigole un petit peu, c'est normal, on me dit c'est carnaval et tout. Bah en tout cas. Bah, c'est bien vu, puisque c'est un masque vénitien. C'est un masque vénitien voilà. du carnaval. C'est pas si. Pas si faux, tu vois, voilà. il tombe dans le mille. Et on me dit d'ailleurs, voilà, le masque et tout, bon, on savait que ça allait un peu vous faire rire, moi aussi, c'est normal. Alors toi, un peu plus sérieusement, Anis, tu es l'auteur d'un ouvrage, hein, donc voilà, pour te présenter, donc l'ABCDR galé dans la boue. Alors, on va en parler, bien sûr, du livre, mais avant, est-ce que tu peux un peu te présenter, toi, Anis, c'est quoi un peu ton parcours? Qu'est-ce qu'on peut dire, quand même, voilà. Pour faire simple, hein, donc je m'appelle Anis Alfeda, donc je suis parisien, et j'ai fait des études classiques, en fait, j'ai fait des études d'histoire, parce qu'au départ, j'avais envie d'être professeur d'histoire géo, et plus j'avançais dans le cursus, plus je voyais que ce qu'on nous racontait durant nos études, c'était un peu n'importe quoi, et qu'on ne nous donnait vraiment pas les moyens de faire notre métier correctement. Et donc, c'est pour ça, après, j'ai bifurqué, j'ai commencé à me diriger vers d'autres activités, voilà. Ok. Et bon, voilà, c'est pour ça, justement, tes activités, on ne peut pas en parler, mais c'est par rapport au sujet que tu abordes dans le livre, évidemment, ça peut causer certaines problématiques. Et alors, pour parler, pour plonger dans ce livre, parce que, voilà, alors déjà, c'est un abécédaire. Mmh. Un abécédaire, alors, c'est quoi? C'est un espèce de... Comment on peut dire, un exercice, parce que tu en parles aussi au début, pourquoi tu as fait un abécédaire. Justement, alors c'est pas une solution de facilité, c'est un peu une façon d'un peu, j'ai envie de dire, tout ce que tu as envie, c'est quoi? Alors, pourquoi j'ai choisi la forme de l'abécédaire? Quand j'étais adolescent, une fois, on m'avait offert le dictionnaire de Pierre Desproges, je sais pas si tu connais un peu. Bien sûr. Dictionnaire à l'usage des Russes, très bien mal poli. Mmh. C'est comme ça que j'avais découvert la première fois la forme de l'abécédaire, en fait. Et ça m'avait vraiment, je dois dire, ça m'avait bluffé, et j'avais vraiment plu cette forme, à la fois amusante, caustique, sarcastique, de dire vraiment, avoir un propos avec beaucoup de fond, et faire passer des messages derrière qu'il fallait être vraiment capable de décrypter. Puis aussi, je sais pas si tu connais aussi la série des dictionnaires amoureux d'eux. Ouais. Je sais pas, il y a un dictionnaire amoureux de, je sais pas, de la Pologne, dictionnaire amoureux, je sais pas, des fleurs, de tout ce que tu veux. Donc j'avais vraiment aimé la forme de l'abécédaire. Mais en fait, si j'ai choisi la forme de l'abécédaire, en fait, c'est que mon but dans ce livre, c'est revenir sur les termes qu'on utilise à tort et à travers dans les médias pour parler de l'islam. Les termes qui sont complètement galvaudés, vidés de leur sens, voilà les mots que maintenant on a l'habitude d'entendre depuis un peu plus de 10 ans, depuis un certain mardi de fin d'été 2001, ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, ouais. Donc voilà, les mots comme salafiste, takfiriste, djihad, orientalisme, islamiste. Donc en fait, moi, c'était la problématique de mon livre, en fait, c'est, pour les musulmans, voilà, parce que je suis musulman, donc, montrer d'abord comment, en étant imbibé, en étant imprégné des valeurs classique, parce que la plupart des musulmans en général en France ils viennent du Maghreb. Comment, en étant imbibé des saines valeurs arabo-islamiques, on fait naturellement le pont vers la culture française authentique et respectable, et ainsi on échappe au gloubi-blouga auquel les élites de ce pays ont voulu nous plonger, en fait. Voilà. Oui, mais c'est beaucoup de ça. Alors, j'ai presque envie de dire, justement, c'est un abécédaire, tu donnes ton avis sur plein de choses, mais on peut dire qu'il y a une trame quand même, une espèce de trame un peu. C'est le fil conducteur, en fait, de cette démarche. C'est la trame principale, en fait. C'est dans cette voie que j'ai choisi de m'engager, en fait, dans ce livre.
Et puis en plus, alors, t'amènes beaucoup d'anecdotes, j'ai envie de dire. C'est pas simple, hein, simple abécédaire. C'est-à-dire, bon, il y a beaucoup d'humour, hein, je le dis, c'est vrai. C'est pour ça, c'est vrai, il y a beaucoup d'humour. Beaucoup de... Alors, j'ai envie de dire, des fois, il y a plein de bobos choisis, quoi. Je pense... alors, j'avais noté des trucs, par exemple... Attends, c'était déportation, voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Déportation, où tu donnes plein de définitions de la déportation en parlant d'autres choses, en disant mais pourquoi on fait référence à ça, puis tu donnes d'autres choses qui sont des portes de déportation. Tu parles des Acadiens, tu parles de d'autres exemples, je me rappelle plus, il y a la deuxième. Tu parles aussi des... C'est quoi le... Alors, déjà, je ne vois pas pourquoi tu fais référence à ce terme en premier. Non, je plaisante. Non, en fait, parce que quand... Déportation, c'est un mot, ça fait partie de la langue française, mais il n'est pas né au XXe siècle, ce mot. Parce que quand on parle de déportation, j'ai pas besoin de te faire un dessin, tu sais très bien de quoi on parle. Voilà. Mais quand je parle de déportation, les Tchétchènes sous Staline sont fait déporter. Les Acadiens, après la guerre de 7 ans, lorsque la France a perdu la guerre de 7 ans contre l'Angleterre, notamment en Amérique du Nord, ce qu'on appelait les Acadiens, donc les Français installés en Amérique du Nord, ils ont subi ce qu'on appelait à l'époque le grand dérangement. Donc ils ont été déportés de force, donc c'est aussi une déportation. Les Allemands entre 47 et 48, tous les Allemands qui vivaient en Europe de l'Est, en Prusse orientale, en Pologne, en Ukraine, il y en a qu'on a vraiment déportés, on les a poussés de force à les tasser en Europe, ce qui a fait que les frontières est de l'Allemagne ont été repoussées vers l'Ouest. Tu parles de 14 millions de déportés. On estime, oui, les chiffres, c'est à peu près 14 millions de déportés, 2 millions de morts, au bas mot. Mais... On parle pas de ces déportations-là, historiquement, sont moins connues. Alors, j'y passe pas pour faire de la concurrence victimaire ou quoi, c'est juste, je dis tiens, mais le mot déportation, pourquoi il renvoie toujours à une certaine période, à un certain moment de l'histoire de l'Europe, qu'il ne s'agit pas de nier ou de minimiser, absolument pas. Mmh. Mais il y a d'autres déportations. D'autres déportations, voilà. Ouais. Les Palestiniens, en 48-49, voilà. Ils ont dû fuir leur pays, c'est l'une des plus grandes diasporas au monde actuellement, malgré eux, ils l'ont pas choisi, ils n'ont pas immigré pour des raisons économiques ou pour des raisons pour essayer de gagner leur pitance ailleurs, non, vraiment, c'est parce qu'ils ont été virés de force de leur terre natale, en fait, voilà. Donc en fait, c'est ça que je voulais, bah, t'as pris l'exemple de déportation. Mmh. Donc en fait, voilà, dans ce livre, en fait, donc je t'ai dit, je parle vraiment des termes qu'on utilise à tort et à travers sur l'islam, mais aussi, j'ai voulu faire un peu un livre assez éclectique, c'était pas centré sur les musulmans, voilà, ça brasse, c'est assez large. J'aborde des thèmes variés comme l'histoire, la politique, la culture, la littérature, le cinéma, vraiment c'est tu parles assez large. Ouais, en fait, c'est large, hein. C'est vrai que voilà. C'est large. Alors, il y a plein de choses, on en parlait. Moi, justement, alors, il y a une préface, on peut le signaler quand même, d'Adrien Agosi. Qui sait? Non, je plaisante. En plus, il doit regarder. Non, je regarde bien. Il doit regarder aussi. On lui passe le bonjour et il a préfacé le livre. Alors, bah, justement, on rigole, mais justement, moi, je rigole aussi parce que dans sa préface, alors, il parle de franc-comtois. Non, d'austro-hongrois. D'austro-hongrois, pardon. Non, il va pas de main morte. Voilà, d'austro-hongrois. Et puis, donc c'est son, on va dire, le thème qui est très cher à Adrien Bozzi, l'enracinement ou le rapatriement. Et dedans, justement, voilà, il parle, alors il y avait des passages quand même, il parle, voilà, en tant que Français, nous affirmons que la présence d'une population non francisée aussi massive sur le sol de France est pour notre pays un danger mortel. Sécurité, économie, comptes sociaux, instruction publique et identité de la France ont un pistolet sur la tempe. Ça plante le décor. Ça plante le décor, là. Alors, je dois quand même des explications. Il faut que j'explique pourquoi il se trouve que ce soit Adrien Bozzi qui ait préfacé mon livre. Ah, oui. Alors, on va commencer par le commencement, pour la petite histoire. Adrien Bozzi, je l'ai connu au lycée. Enfin, je ne l'ai pas connu personnellement, mais on a fréquenté le même lycée à la même période. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien. On n'a jamais été dans la même classe, mais c'était quelqu'un que je connaissais de vue, on va dire. Et après, je commençais déjà à écrire mon côté, ça fait quelques années que je commençais un petit peu à écrire pour des sites divers un peu variés. Et donc, je l'ai vu dans des vidéos, à propos de son livre, vous l'avez invité, vous d'ailleurs, ici. Bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai vu dans 2-3 vidéos, et un jour, j'ai rencontré dans une conférence, et il s'avère, bon, il se souvenait qu'il était dans le même lycée que moi, lui aussi. Et en fait, si je lui ai demandé de préfacer mon livre, je terminais, en fait, j'étais pas loin de finir mon livre, et j'ai fait cette proposition qu'il aurait pu refuser. Mais si je lui ai demandé de me faire une préface, en fait, c'est pour plusieurs raisons. On est à peu près de la même génération. Il est né en 1984. Moi, c'est l'année d'après, 1985. Oui, pourquoi aussi? Allez, à l'adolescence, à partir du collège,
je pense lui comme moi, et peut-être je pense d'autres aussi qui nous regardent ce soir, on a eu conscience très tôt, enfin pas très tôt, mais vraiment à partir de l'adolescence, progressivement au collège, vraiment c'était visible à partir du lycée, que bah, la société multiculturelle qu'on nous promet ne marche pas aussi bien qu'elle le devrait. Mmh. Au collège, des fois, il y a des tensions, des fois il y avait des bagarres vraiment. Tensions communautaires. Pas non plus, c'était pas tout le temps la foire d'empoigne, c'était pas le coup de gorge à tout va, mais voilà, les insultes sale noir, sale arabe, sale babtou, voilà, c'était des insultes qu'on avait l'habitude, c'était le genre de nom d'oiseau qu'on avait l'habitude d'entendre dans des cours de collège. Et donc on avait conscience, moi j'avais conscience déjà dès l'adolescence, même un peu avant, des mensonges permanents. En plus à l'époque, il n'y avait pas les attentats encore de ce mardi de fin d'été. Je savais qu'ils mentaient, les médias mentaient sur l'islam. Mais progressivement, plus je grandissais, plus je voyais que les médias ne montaient que aussi sur un tout à d'autres sujets, l'histoire de France notamment et autres. Donc voilà, cette conscience assez on va dire précoce des tensions, malgré la propagande, notamment France 98 et tout. Lui, il est chrétien, je suis musulman. Tout est fait en sorte pour que soit le choc des civilisations. Alors je dis pas que c'est la réconciliation, on va se tenir par la main, on danse autour du feu, non, c'est... Il dit ce qu'il a à dire. Moi, je lui ai dit vraiment, je lui ai dit, Adrien, n'hésite pas, dis vraiment ce que tu penses. Bien que je partage pas tout, puis je dis vraiment, Adrien, il va avec la verve, la plume qu'on lui connaît, mais c'est tout à son honneur, c'est honnête et c'est sincère. Moi, c'est ça, parce qu'il y en a assez des mensonges, il y en a assez des non-dits, des faux-semblants. Donc, dis ce que tu as à dire, je te donne la possibilité de le faire, et moi, je dis ce que j'ai à dire aussi, je prends cette liberté dans mon livre. Donc voilà, c'est langage de vérité de part et d'autre, vers un but commun, c'est-à-dire faire en sorte que la vie de tous en France soit la plus paisible, la plus harmonieuse possible. Mais c'est pas, c'est loin d'être évident pour la plupart des gens, et c'est un chemin, un parcours long et semé d'embûches en fait. Voilà. Mais ça va, c'est assez... Alors moi j'ai trouvé qu'elle était assez, comment dire, j'ai envie de dire presque un peu la voix du milieu. C'est-à-dire... c'est-à-dire qu'essaye de trouver, par exemple, à un moment donné, tu parles par exemple sur la repentance, tu critiques un peu les deux côtés, tu dis on peut pas oublier le passé, dire que ça n'a pas existé, mais on peut pas non plus se chagriner et puis jouer non plus les éternelles victimes. En fait. Alors, en ce qui concerne la repentance, il faut savoir une chose. Qui a amené déjà médiatiquement dans les médias cette repentance? C'est pas par le poids des lobbies immigrés que c'est arrivé, c'est les médias. Ceux qui tiennent la culture en France, la gauche, hein, voilà, on va dire le camp idéologique. C'est eux qui ont amené, qui ont commencé à parler, mais parfois, de façon maladroite. Mais tout en oubliant de nous rappeler que c'est la gauche qui est à l'origine de la colonisation et des guerres de décolonisation. Donc c'est pas la repentance déjà dans les médias. Ce ne sont pas les musulmans ou les asiatiques, les vietnamiens ou les amérindiens. C'est pas eux qui l'ont avec leur force économique, avec leur pouvoir politique. Ce n'est pas eux qui l'ont amené dans les médias quand même. C'est ça que je veux dire, parce que quand on entend certains qui prétendent s'inscrire dans une contre-repentance, à les entendre, on pourrait croire que c'est les musulmans qui font pression dans les médias pour qu'on parle de la guerre d'Algérie, de l'esclavage et tout, alors que c'est absolument pas le cas. Ouais. Donc, et la repentance, en fait, le débat, c'est à partir de quand que vraiment il a littéralement explosé en France, c'est au moment de la loi de 2005. Sur la colonisation. C'est la loi, il faut le rappeler, qui disait il faut reconnaître le rôle positif de la France, présence française outre-mer. À la limite, ils ont le droit de le penser. Mais de là, en faire une loi, là, c'est ni plus ni moins une volonté d'écrire l'histoire. Ouais, surtout qu'il y avait un petit alinéa, et particulièrement en Afrique du Nord. Pour vous en plus. Donc c'est la contre-repentance qui a précédé la repentance là ici. C'est toi là qui a mis le feu aux poudres. Donc donc refus de la repentance, de tout en penser, bon voilà, où se fonce du pas. Même si on a entendu parler, moi pour ma part en ce qui me concerne, je la découvrais dans les livres, dans les films, dans des récits, on va dire familiaux, pas. Qui ne m'ont pas touché directement, ni moi, ni mes ancêtres en ligne directe, mais voilà, des choses qui. Après que voilà, on en entend parler, puis après, plus le temps passe, plus on regarde ça avec distance et recul. Mais voilà, certes, il y a eu cette repentance en France qui s'est installée dans les médias, mais ceux qui font mine de jouer les gros bras, notamment l'UMP, une certaine, on va dire, droite nationale, parce que j'aime pas le mot extrême droite, tout ça, c'est les mots du système, c'est la nouvelle langue. Donc ce camp idéologique qui prétend lutter contre le politiquement correct et lutter contre les repentances, on peut remarquer qu'il lutte contre toutes les repentances, sauf une seule. Voilà. Si on veut lutter contre toutes les repentances,
Il ne s'agit pas de nier les souffrances des uns et des autres, que ce soit la Seconde Guerre mondiale, que ce soit l'esclavage, que ce soit... voilà, l'histoire de France n'est pas basée que de ça quand même. Pour moi, la France, c'est aussi D'Artagnan, c'est Cyrano de Bergerac, c'est Joachim du Bellay, c'est François Villon, voilà, c'est aussi toutes ces figures, c'est Balzac et tout, et la liste s'arrête pas. Mais, étudier cette période de façon apaisée, raisonnée, en historien, c'est-à-dire prendre les sources des deux côtés. Par exemple, si on étudie la guerre d'Algérie, parce que c'est souvent celui-là qui est vraiment faux poudre, hein. C'est comme, donc, on regarde les sources algériennes, les sources donc, côté algérien, on regarde les sources côté français et on les croise. C'est ça un travail d'historien. Mais ceux qui prétendent critiquer la repentance et jouer les gros bras uniquement en fustigeant la repentance liée à la colonisation et à la Seconde Guerre mondiale et à l'esclavage, pourquoi en fait certains petits mouvements, petits partis, je peux parler des indigènes de la République par exemple, ils se sont dit on va s'engouffrer dans cette brèche? Parce qu'ils voient que pour une autre période de l'histoire, ça a marché. Voilà. Donc les autres vont dire, il y a eu Jacques Chirac, lui en 1995, qui est le premier à reconnu la responsabilité de l'État français dans ce qui s'est passé de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'on sait que c'est une période beaucoup plus troublée, hein. On sait que les premiers résistants, ils étaient soit de l'Action française, soit ils étaient juifs, parce qu'ils avaient fui en Angleterre, et notamment cette fameuse phrase apocryphe de Gaulle, on ne sait pas ce qu'il a prononcé ou pas, qui disait « À Londres, je n'ai trouvé que la cagoule », référence à l'organisation à Londres, « À Londres, je n'ai trouvé que la cagoule et la synagogue ». Donc ça en dit long sur... Donc voilà. Donc, d'accord, c'est Chirac le premier qui a... S'il a dit « Il faut reconnaître la France, la responsabilité de la France dans la Seconde Guerre mondiale », après, ça allait crescendo, c'est la porte ouverte à tout. Il y a eu la loi Taubira en 2001, et ainsi de suite. Et bien, après, on comprend que plus en plus de Français en est marre et disent stop. Mais si on veut critiquer la repentance, on ne peut pas s'arrêter à la critique uniquement de la repentance liée à la colonisation et à l'esclavage. Il faut critiquer aussi, c'est lié à la Seconde Guerre mondiale, qui continue de peser très fort sur le débat aujourd'hui, notamment avec ce qui se passe en Palestine et tout. Vraiment, alors... sans nier ou minimiser l'ampleur de ces drames, de ces souffrances qui sont réelles, puisque les peuples... En fait, dans les événements historiques, ce qui est toujours très dur, c'est un peu... faut pas prendre... Je vais essayer d'être calme dans ce que je vais dire. Tant que des gens qui ont vécu un événement sont en vie, je ne souhaite pas... Ça veut pas dire qu'on souhaite leur mort. Mais tant que ces gens-là, la mémoire vivante, elle est encore présente, c'est bien, parce qu'ils nous permettent de dire ce qu'ils ont vécu. On peut pas être complètement dépassionné. Ça rentre pas encore dans le cadre de l'histoire. Là, on est pour ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, la colonisation, en Afrique noire, en Asie, on est encore un petit peu dans le cadre de la mémoire. On n'est pas complètement rentré dans le cadre de l'histoire. Notamment parce que, mains acteurs ayant pris part dans ces événements et dans ces historiques sont encore vivants. Ce qui ne signifie pas qu'on souhaite leur mort, qu'ils vivent le plus longtemps possible, bien évidemment. On ne peut pas souhaiter la mort à personne. C'est ça, vraiment, pour conclure là-dessus, c'est... On critique les repentances, on critique toutes les repentances. On ne peut pas demander aux musulmans, enfin pas forcément pas que musulmans, mais les maghrébins, les noirs ou je sais pas, qui d'autres, d'arrêter de faire de la surenchère victimaire. Il faut qu'ils arrêtent de faire de la surenchère victimaire et se prennent en main et regardent lucidement leur situation pour mieux avancer. Mais d'un côté, s'agenouiller et tout le temps, tout le temps parler à chaque fois de la Seconde Guerre mondiale, de ceci, de cela, en oubliant que c'est toute l'Europe qui a souffert, et pas que les Tziganes, les Juifs et autres, sans vouloir nier encore une fois l'ampleur de la souffrance et l'ampleur de leur drame. Hein. On sait ce que c'est la Seconde Guerre mondiale. Et en général, ceux qui ont vraiment vécu cette période atroce, ils préfèrent pas trop en parler. Ils gardent toujours ça pour eux. Je sais pas si tu as remarqué ça, en fait. Ouais. Et en général, ils sont pudiques là-dessus. Bah tu vois, on vient de faire point Godwin, alors si t'en parles, tu vois, tu donnes la définition. Il y a plein de trucs comme ça qui sont... Alors, il y a un truc qui m'avait choqué. Qui m'avait choqué, mais c'est-à-dire c'est un avertissement qui paraît sur le Coran, qui a été... Donc c'est des éditions qui écrivent ça, pas le Coran, sur Mein Kampf. Mein Kampf, oui. Et très peu de gens savent ça. Alors c'est quand même extraordinaire. Alors voilà, je vais relire le passage parce qu'il y a... Il vaut mieux, ouais. On n'est jamais aussi bien servi que par cela. Voilà. Cela parce que Hitler jusqu'à ici a obstinément refusé de laisser publier en français Mein Kampf, ce livre qui, répandu en Allemagne à plus d'un million d'exemplaires, a eu sur l'orientation de tout un peuple une influence telle qu'il faut, pour en trouver l'analogue, remonter au Coran. Extrait de l'avertissement des éditeurs rédigé par les nouvelles éditions latines qui éditent Mein Kampf. Non mais c'est... Alors comment j'ai découvert ça moi? Je me rappelle, j'étais étudiant donc en histoire, et un jour on avait en cours un dossier à faire sur les totalitarismes. Ouais. Donc j'étais à la bibliothèque de ma fac, je ne suis pas coltiné en entier, mais on était obligé de se plonger un petit peu dedans, c'était fortement conseillé même de les lire en entier. Donc dans la bibliothèque de ma fac, il y avait
petit livre rouge de Mao, il y avait, on devait lire les ouvrages marxistes staliniens, Trotsky, Lénine et autres, et Mein Kampf aussi, puis il y en a d'autres aussi, je peux l'oublier aussi, mais je dis tiens voilà, il y a Mein Kampf, je fais être comme ça, et je vois avertissement l'édition française, parce que ça remonte à plusieurs années maintenant, j'étais encore un peu voilà, à genoux. Et quand je lis ça, ça m'est tombé des mains, vraiment, je me dis attendez, donc l'influence que Mein Kampf a eu sur le peuple allemand, c'est comparable à l'influence que le Coran a eu sur les Arabes. Ça devient subtil pour qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et ça, c'est toujours... Mein Kampf, c'est un livre que, contrairement à l'Allemagne, Mein Kampf est en vente, vous trouvez en France, hein, à la FNAC notamment, bon, faut le dire doucement au vendeur, je pense, pour ceux qui s'intéressent. Mais moi, dans le livre de... C'est la même édition, dans le livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque de ma fac, ils disent, clairement, ils stipulent que... Si on veut retrouver un livre qui a une telle influence sur tout un peuple, donc en l'occurrence ici Mein Kampf, l'influence qu'il a eue sur le peuple allemand, mais il faut remonter à l'influence que le Coran a pu exercer sur les Arabes. Et le Coran, c'est pas le livre des Arabes, c'est le livre des musulmans. L'islam, c'est pas un peuple, une race, c'est universel, la religion musulmane. Donc ça veut dire, la musulman est un nazi. Oui, c'est ça. C'est une analogie entre le Coran et... Et ça, ça... Très peu de gens savent. Ça passe comme une lettre à la poste. Bon, voilà. Mais oui, pour revenir au point Godwin, c'est Mike Godwin, c'est un Américain qui a théorisé ça, pardon, au début des années 90, qui disait, plus une discussion avance en longueur, par exemple, quand un débat oppose deux contradicteurs, le contradicteur A va... Enfin, la personne A va... Je sais pas, développer un argumentaire avec... voilà, il va donner des exemples, essayer d'étayer sa thèse pour convaincre son interlocuteur. La personne B, souvent désarçonnée, désorientée, qu'est-ce qu'elle va faire pour désarmer l'autre en face et gagner le débat? Elle va faire référence à Hitler. En fait, plus une discussion dure en longueur, plus la probabilité que Hitler ressorte dans le débat est proche de 1. Alors que le débat, il pouvait porter sur tout un tas de sujets variés. Ouais. Et notamment, l'exemple que je donne, je ne sais pas si tu l'as lu dans le livre, c'est des fois des exemples de la vie de tous les jours. On parle de cuisine. Moi, j'ai entendu une fois un débat sur la cuisine. La personne avait ramené Hitler là-dedans. Voilà, on peut parler de, je sais pas, de peinture, les gens vont te ramener Hitler. On peut parler de, je sais pas, d'architecture, décor d'intérieur, les gens vont te ramener Hitler. Les gens vont parler de, voilà, de tout un tas de sujets divers et variés. On va te ramener Hitler. La question que je me pose, en fait, je fais une boutade là-dessus, c'est... Mais avant qu'il y ait Hitler, est-ce que les gens étaient capables de faire un débat? Ce qu'on se dit, c'est incroyable, quoi. Pour clore le débat, tout de suite, c'est Hitler. Hitler, Hitler, Hitler. Pour tuer dans l'œuf tout esprit critique, toute argumentation saine, et tout pour vraiment rendre le climat malsain et pousser la personne à vraiment à s'autoflageller, et à demander pardon et à se mettre à genoux, quoi. Voilà. D'ailleurs, toi, tu démontres beaucoup la novlangue dans ton livre. T'as beaucoup de... Alors ça, la novlangue, voilà, ça t'énerve, quoi. C'est-à-dire que... Plus on grandit, plus je pense pas être le seul, hein, bien évidemment, loin de là. La novlangue, faut rappeler ce que c'est, mais je pense que beaucoup de ceux qui nous regardent savent ce que c'est. C'est la langue qui a été forgée par George Orwell dans son roman, donc 1984. C'est une langue qui... Comment contrôler la pensée en contrôlant la langue? Parce que quand on contrôle la langue c'est le champ d'expression de notre cerveau, en fait. Donc... Quand on vide les mots de leur sens, quand on les détourne, quand les mots sont dévoyés, et après on fait dire ce qu'on veut aux gens. On les fait penser, on les amène là où on veut. Par exemple, en ce qui concerne l'islam, parce que moi ce qui me concernait quand je commençais vraiment à regarder beaucoup de débats et tout, c'était à partir du lycée, de l'adolescence, après les attentats du 11 septembre, quand je commençais de plus en plus à entendre islam modéré, islam des lumières, islamiste, parce que voilà, un fanatique musulman, ça existe les fanatiques de la religion musulmane, mais les fanatiques juifs ou chrétiens, on dit pas c'est un christianiste ou c'est un juifiste, on dit islamiste. Donc en fait, on a créé un terme particulier pour le fanatique musulman comme si c'était plus grave que les autres. Non, tous les fanatiques sont blâmables et condamnables. Pourquoi un type de fanatique serait plus dangereux que les autres? Pourquoi? Parce que l'ennemi actuel pour les médias, pour le système, enfin l'ennemi qu'on monte surtout avec ce qui se passe en ce moment, c'est la religion musulmane dans son ensemble. Voilà, musulman modéré par exemple, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est quoi un musulman modéré? C'est quelqu'un qui prie deux fois par jour au lieu de cinq, c'est un coup il prie vers la Mecque, un coup vers Mont-Saint-Michel, ou Disneyland, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ça ne veut rien dire, un musulman modéré, c'est quoi? C'est soit on est musulman, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas de chrétien modéré. On ne parle pas de chrétien modéré, ni juif modéré.
Parce que souvent, vous voyez, dans les médias qu'on dit, ah mais oui, ce musulman est bien, il est modéré, lui, c'est un musulman modéré, ou c'est un... Ah, il prône un islam libéral, ou quoi, mais ça, veut, ça n'a ni queue ni tête, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'islam libéral, d'islam... je sais pas, à la sauce béarnaise, je sais pas quoi, non, non, l'islam, c'est l'islam, c'est la religion musulmane, point. On dit pas christianisme modéré, christianisme libéral, ou autre, je sais pas quelle ineptie encore. Voilà, donc cette novlangue, vraiment, bah, jusqu'à c'est maintenant. Vrai, il y a plusieurs mots de novlangue que tu débunes au fur et à mesure, comme ça, justement. Alors sur l'islam, il y en a plein. On parle bah, justement d'islamiste, d'islamisme, d'islamologue aussi, j'ai vu, ça t'énerve, les islamologues. Parce que oui, on a forgé un mot, et ça, depuis quelques années, sont apparus. Ça, c'est le premier article que j'avais publié. En fait, quand on parle d'islamologue, moi, faut me dire ce que c'est. Un rhumatologue, je sais ce que c'est. Ouais. Un ophtalmologue, je sais ce que c'est. Un stomatologue, je sais ce que c'est. Mais un islamologue... Spécialiste de l'islam pour docteur de l'islam. Souvent à la télé, tu vois, il y a des gens, on oublie de nous dire par quels instituts de recherche ils sont payés, hein, de qui je veux parler. Très souvent, en plus, là, ils reviennent tout le temps dans les débats à la télé. Voilà, je sais pas, qui je pourrais dire, il y a Alexandre Delval, Frédéric Ancel, sont tout le temps dans les débats, on les voit tout le temps donner leur avis, Adia, tout le temps ils parlent de l'islam alors qu'ils n'y connaissent rien. Tout ça pour, regarde, pour une raison très, très simple. Est-ce que ces personnes-là maîtrisent la langue arabe? Ouais. Comment on veut parler d'islam, qui est une religion, une civilisation qui embrasse des peuples extrêmement divers, les Arabes, les Perses, les Turcs, les Maliens, c'est pas l'Afrique noire, l'Indonésie, des peuples très divers, comment est-ce qu'on accepterait de quelqu'un qui soit spécialiste, fin connaisseur de la civilisation romaine, alors qu'il n'a jamais fait de latin? Est-ce qu'on accepterait de quelqu'un qui soit spécialiste de la civilisation grecque et qu'il n'a jamais étudié le grec ancien? Est-ce qu'on accepterait de quelqu'un, je sais pas, qui sont spécialistes dans, je sais pas, le règne du Capet, alors qu'ils ne maîtrisent pas le latin. Parce qu'au Moyen-Âge, tous les arts et l'administration française écrivaient en latin. Elle utilisait le latin. C'était pas le français est encore... Enfin, l'ancien français, le vieux François, comme on disait, c'était un peu considéré une langue vulgaire. Donc voilà, on ne les reconnaîtrait pas comme tels. On ne dirait pas que ce sont des spécialistes. Or, ces personnes-là ne connaissent absolument rien de la langue arabe. Ça veut juste dire Inch'Allah, Couscous, Baklawa ou je sais pas quoi d'autre. Et on les présente comme islamologues. On ne dit pas d'un spécialiste en... On dit un théologien chrétien, on va dire un théologien en juif, un spécialiste de la religion bouddhiste, je sais pas, on dit pas un bouddhistologue, un judéologue, un christianologue aussi. On dit toujours islamologue. Toujours pour l'islam, vraiment, encore plus, on forge des termes vraiment particuliers. Particuliers. Parce que ça fait pompeux comme ça, t'es l'islamologue, oh, docteur. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et ce sont des escrocs, c'est tout, ni plus ni moins. Et toi, qu'est-ce que tu penses d'un mec comme Tariq Ramadan? Alors Tariq Ramadan, il faut... Comment dire? Lorsqu'il a commencé à apparaître médiatiquement, il faut vraiment être honnête. Il en jetait, voilà, pour parler un peu, dire les choses un peu sommairement, parce que depuis plus de 30-40 ans, à chaque fois qu'on amenait quelqu'un un musulman pour parler à la télé, c'est quelqu'un qui venait du Maghreb avec un accent arabe à couper au couteau, qui maîtrisait absolument pas les codes sociaux et culturels français. Et ça accréditait l'idée qu'un musulman en France sera toujours un étranger. Et quand Tariq Ramadan il a commencé à émerger dans les années 90, moi comme surtout fin des 90 et puis les années 2000, il s'exprime correctement, c'est quelqu'un de fin, de retors, qui s'exprime bien, puis voilà, c'est pas non plus un zigoto quand même. Donc il est normal que beaucoup de gens, même les musulmans, se sont entre les guillemets laissés séduire par lui, parce qu'ils se disent, enfin quelqu'un qui, entre guillemets, nous représente, mais qui s'exprime correctement et qui, reconnaissons-le, mettait à l'amende les gens qu'il avait en face de lui à l'époque. Notamment, je me souviens d'un débat avec Alain Finkielkraut, même fois avec Bernard-Henri Lévy, c'était juste au moment du débat de la guerre en Irak, Bernard-Henri Lévy a quitté le plateau. Il a quitté, il s'est dit, parce que Tariq Ramadan l'avait vraiment lui réglé son compte en deux temps trois mouvements. Donc Tariq Ramadan, pour beaucoup de musulmans, moi y compris, moi je prétends pas que j'ai la science infuse, à l'époque j'étais aussi par exemple j'étais au lycée, quand je regardais les débats, je me disais, ah, enfin quelqu'un qui relève le niveau, parce qu'on est toujours à la télé, voilà, il y a Hassan Chalboumi, des trucs comme ça. Voilà, parce que bon, quitte à choisir entre Hassan Chalboumi et Tariq Ramadan, j'espère que l'avenir ce sera pas de choisir entre deux non plus. Mais donc une fois ceci étant dit. On sait, bon, voilà, et Tariq Ramadan, pareil, on lui rappelle tout le temps, ah, vous êtes le petit-fils d'Hassan El-Banna, le fondateur des Frères musulmans. Bah, là, Tariq Ramadan, ces derniers temps, moi, je suis pas spécialiste en théologie, mais j'estime connaître suffisamment ma religion pour savoir démêler le vrai du faux en termes de manipulation médiatique. Donc, voilà, des fois, Tariq Ramadan, tant fait qu'il soit, il aille beaucoup au Qatar, beaucoup en Angleterre, qu'on sait Tony Blair, alors que Tony Blair est un des bouchers, un de ceux qui a contribué à tuer des musulmans.
voilà, je vais pas travailler avec Tony Blair, quoi. Si Tony Blair me propose de travailler avec lui, non, je vais pas lui. Non, je vais, on lui fait bouffer sa cravate. Hein. On travaille pas avec Tony Blair, quoi. Donc. Bah voilà, bah, c'est mitigé même. Bah non, voilà, Tariq Ramadan, on va pas tirer sur une ambulance. Mais tout ça, pour rappeler que c'est un peu facile maintenant de taper sur Tariq Ramadan. Je dis juste, il faut rappeler le contexte médiatique en France, et en Europe aussi, mais plus on va parler de la France pour ce qui nous concerne ici. Il est normal que beaucoup de gens, beaucoup de musulmans, se soient dit. Tariq Ramadan, c'est que voilà, bon, ça remonte le niveau, c'est quelque chose. Il arrête de nous faire honte, de pas maîtriser le français, de passer pour un arriéré, quelqu'un en babouche qui vend des tapis. Voilà, enfin, je comprends bien. Donc c'est normal que des gens se soient un peu dit, Tariq Ramadan, voilà, c'est quelqu'un de bien, il peut parler pour nous et nous défendre en fait dans des débats. Toi, tu tapes d'ailleurs sur ça, sur le cliché, tu remets en cause la notion de beurre. Hein. Pour toi, t'aimes pas ce mot-là, hein, beurre. Bah c'est un mot, c'est péjoratif et c'est, je sais pas, c'est quand on dit beurre, quand on dit, pas que les beurres, quand on parle les noirs en France, certains, ils s'appellent entre négros. Oui. Bah avant c'était une insulte, oui, mais maintenant c'est l'américanisme. Non, avant on disait nègre en français, ouais, c'est pas noir. Oui mais négro c'est une insulte. Mais maintenant négro c'est une insulte, ouais. Comme aux États-Unis on dit yo nigger, parce qu'ils ont apporté ça, c'est l'Amérique, c'est l'américanisation. C'est l'américanisation. Quand il y en a qui s'appellent négro entre eux, je sais pas comment ils font pour... Ah bah même Stéphane, je l'appelle négro, moi. Après, bon, si c'est entre vous, j'en sais rien, mais voilà. Je veux dire, dans les médias, quand on parle de beurre, c'est toujours oh, le petit arabe sympa, le gentil, l'arabe de service, quoi. Voilà, des années 80. Moi, j'en ai connu un petit peu, j'en ai croisé, côtoyé des gens de cette époque qui ont maintenant... La génération de Farida Belghoul, on va dire. Farida Belghoul, qui fait vraiment un travail remarquable, mais beaucoup d'autres, moi j'en connais un. Je le connaissais, quand j'étais petit, mes parents ils me faisaient faire des cours d'arabe en fait pour que je connaisse ma religion et ma culture d'origine. Moi j'en ai connu qui ont fait la marche des beurs à l'époque, ils sont vraiment restés amers. Hein, et c'est toujours pas, ils n'ont toujours pas avalé cette manipulation du Parti Socialiste. Oui, t'en parles la marche des beurs d'ailleurs, beaucoup, tu dis que c'est. Moi j'en connais vraiment un personnellement qui a juste participé. Il n'a pas été un acteur de premier plan de la marche, mais il y a participé. C'est l'histoire d'une récupération, pas... toi, tu dis. Bah ouais, donc mais... D'ailleurs, ça s'appelait pas la marche des beurs, t'expliques. Ça s'appelait la marche pour les Kali. On oublie à chaque fois de le rappeler, c'est la marche des beurs qui est passée à la postérité, ça s'appelait la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Voilà, c'est ça, c'était ça l'intitulé, et ça a été récupéré par SOS Racisme, c'est ça que t'expliques. Bah, je suis pas le premier à le dire. T'es pas le premier à le dire, mais non, enfin, il donne le dit aussi. D'autres avant, dès les années 80, certains ont tapé sur SOS Racisme. Mais voilà, beurre, c'est... certains. Que dans les médias toujours, il y en a, ils usitent ce mot à gauche souvent. C'est dire à quel point le mépris pour les gens qui sont censés défendre, alors que je sais pas qui leur a demandé de le défendre, c'est dire à quel point leur mépris est grand. Ouais. Bah, tu vois, la petite main sur l'épaule, voilà, le noir, toi, va nous faire un punch, voilà, fais-nous un couscous, s'il te plaît, vas-y, vas-y, fais la danse du ventre et tout, voilà, bah, c'est le beurre. Mais certains, en fait, ce que je critique, c'est notamment ce mot, mais le comportement de... Il faut être honnête, beaucoup de maghrébins. Voilà, c'est là que tu te fais plein d'ennemis en général. Alors vas-y. Ah, non, c'est pas ça. Non, mais je dis ça, c'est en parce fait, que t'es quand même très critique quand même. Bah, moi, à l'égard de, on va dire, de la communauté, entre guillemets, musulmane. Enfin, surtout les jeunes. J'ai pas envie de dire communauté musulmane, j'ai envie de dire les jeunes d'origine immigrée. Voilà. Alors. Les Français d'origine. Qu'on ait fait des erreurs, que l'on se soit fait avoir par naïveté. Par manque de savoir, c'est normal, on ne peut pas tout savoir à 14-15 ans. Que l'on s'en fasse savoir, que l'on tombe dans des pièges, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à 15, 16, 18, 20, 22, mais 25 ans révolus, 30 ans passés, tomber dans les mêmes pièges, le piège à loup, ça fait je sais pas combien de fois que tu te le prends dans le pied, et continuer à marcher allègrement dedans, au bout d'un moment il y a un problème. Si on veut avancer, d'abord il faut balayer devant sa porte. Notamment pour ce qui concerne les beurs, en fait, quand je dis les beurs, c'est... Quand tu vois, par exemple, tu regardes la génération de ceux qui sont nés ici dans les années 50-60, Farida Belghoul, par exemple, et autres, et même quand tu regardes les images de la marche des beurs de l'époque, tu peux regarder des fois sur Internet, sur l'INA, par exemple, Institut National de l'Audiovisuel, ou YouTube, ou autre, quand tu regardes les Maghrébins à l'époque, ils n'avaient pas l'accent ghetto. Ils parlaient correctement français, ils parlaient bien. Bien sûr, ouais. Ils n'avaient pas l'accent Kaira. Quand tu regardes Farida Belghoul quand elle était jeune ou d'autres, ils parlaient très bien français. Elle parle très bien, Il y avait déjà les problèmes qui commençaient un petit peu à arriver. Et bon, peut-être que toi ça va pas te plaire, je suis désolé, mais en fait les Maghrébins nés dans les années 50, 60, fin des 60, ça va. Mais ceux qui sont. Il y avait déjà des problèmes et ça s'accumulait de plus en plus. Mais ceux nés à partir de la fin des années 60, début des années 70, c'est eux qui ont commencé vraiment, bah, quand le rap est arrivé dans les années 80,
Moi je te dis tout de suite, moi j'ai jamais vraiment aimé le rap en fait. Bah j'ai lu. Désolé. Alors, on va en parler. Quand j'étais adolescent, bon des fois, on peut pas échapper à. Bon voilà, on voit les clips à la télé, là on écoute la radio. Des fois c'était plus, bon je le confesse, hein, c'était pour être à la page, j'ai participé des fois un peu aux conversations avec les autres. Mais ça c'était. Très vite, ça me saoulait, ça me branchait pas du tout quoi. Mais voilà, le rap, on voit ce qu'il a fait de ces jeunes, on voit ce qu'il a fait d'eux, notamment dans la façon de s'exprimer, dans la façon de parler, dans la façon de se tenir, se mouvoir ou autre. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Qu'on voit maintenant les maghrébins, tout a été fait pour les couper de leur culture d'origine. C'est ce que je disais dans mon livre, ma problématique, c'est comment en étant imbibé et imprégné, arrimé solidement au départ dans sa culture d'origine, pour mieux avancer aussi, découvrir la culture française. Puisqu'on est français, qu'on vit dans ce pays. On va pas s'intéresser prioritairement, je sais pas, à la culture ouzbèque ou à la culture péruvienne, qui peuvent être très intéressantes par ailleurs. Mais d'abord, connaître la culture française, parce qu'on vit en France. Donc tout a été fait par le biais du rap. Et encore une fois, je suis pas le premier à le dire. Hein. Je dis pas que je découvre le fil à couper le beurre ou que j'ai inventé l'eau chaude. Mais tout a été fait pour les couper de leur culture d'origine. Et pour que, par tous les moyens, ils n'accèdent absolument pas à la culture française et qui s'insère de façon harmonieuse dans le tissu social, sociétal français. Mmh. Voilà le résultat aujourd'hui, quoi. Donc, en fait, ce que je leur reproche, c'est de se comporter comme des beurs, comme on l'attend d'eux, et de tomber dans tous les pièges à chaque fois. C'est une caricature. Beaucoup de maghrébins, même d'africains aussi, mais comme je suis d'origine maghrébine, je vais plus parler de ce que je connais en ce qui me concerne. Bah, malheureusement beaucoup, pas tous encore une fois, mais jusqu'à 25-30 ans, l'accent Kaira, s'habiller en survêt, basket jusqu'à 30 ans, comment tu veux trouver un travail habillé comme ça quoi. Je veux dire, quand t'es habillé tout le temps, ça veut pas dire qu'on doit toujours être habillé sur 131 dans la vie de tous les jours, mais ils font pas de sport en plus, ils sont tout le temps habillés en vêtements de sport, ils font pas de sport, donc voilà, on comprend pas. Et voilà, ils pensent à aller à fumer la chicha, aller au grec, voilà, c'est tout. Et non, ils s'intéressent pas à autre chose, quoi. Enfin, je caricature, je force le trait, hein, tu l'as bien compris, c'est un style un peu pamphlétaire, on grossit le trait, mais je pense être pas loin du constat objectif, on va dire. Ouais, c'est ça, t'es quand même très... Alors justement, mais t'es pas... Aussi, tu tapes sur Zemmour, parce que tu dis que Zemmour... il tape sur les musulmans injustement parce que il prétend presque on va dire que l'espèce d'assaut communautaire que les musulmans voudraient mener sur la France, il n'est pas justifié, il est faux, alors que il est plus justifié pour certaines autres communautés, et là on en parle pas. En fait, pour Éric Zemmour, moi comment je l'ai découvert, moi je me rappelle, j'ai pas d'hostilité particulière avec Éric Zemmour, c'est pas d'attaque personnelle, je me fiche. Non, bien sûr, je me fiche de la couleur. C'est avec des arguments. Mmh. C'est pas la couleur de sa chemise qui m'intéresse, sa coupe de cheveux, sa cravate. J'en pense pique pendre. En fait, Éric Zemmour. Vas-y. Moi je me rappelais, je l'avais connu à la télé une fois, il avait fait une biographie sur Jacques Chirac, juste avant l'élection 2002, où Jacques Chirac était en mauvaise posture. Ça s'appelait L'homme qui ne s'aimait pas. Ouais. Parler du manque de confiance en lui de Jacques Chirac, c'est un peu une stratégie aussi que Jacques Chirac a toujours, dont il a toujours usé pour abattre ses adversaires au dernier moment. Ouais. Donc moi ça m'a fait rire à l'époque, voilà, c'est comme ça que j'ai connu. Puis après, au moment de la Constitution en 2005, le débat, c'était un des rares, moi j'ai commencé un petit peu à comprendre, donc à l'époque j'étais contre la Constitution. Et c'est un des rares dans les médias à être pour le non. Oui. Et en général, il était pugnace, percutant, pertinent, et pareil, il réussissait à désarçonner le camp du oui, les membres du camp du oui en face. Et quand il critiquait la délinquance en banlieue, moi je me suis... Un problème beaucoup de maghrébins ou d'africains, c'est que quand on critique les délinquants et l'économie parallèle, ils se sentent visés. Donc ils font eux-mêmes, ils ont inséré en eux le fait qu'ils soient potentiellement des délinquants. Moi, quand Éric Zemmour dit oui, il y a de l'économie parallèle en banlieue, il y a des problèmes de coexistence, il y a des pompiers qui se font caillasser alors qu'ils vont intervenir pour éteindre des incendies dans ces quartiers-là justement. En quoi est-ce blâmable? Au contraire, ça, il a tout à fait raison de le dire. Mais comment Éric Zemmour, et ça il faut être honnête, comment il a explosé médiatiquement, c'est à partir du moment quand il a commencé à être chroniqueur dans l'émission de Ruquier, et semaine, c'est taper sur l'islam, l'islam, l'islam. En fait, ce que je ne pourrais jamais être d'accord avec quelqu'un qui s'attaque à la foi des gens, qui critique la religion vraiment en tant que système de valeurs, et qui, pas avec des arguments, de toute façon... malhonnête, mensongère. Parce qu'Éric Zemmour, lui, le Coran, dans le Coran, à toutes les pages, il y a un appel au meurtre des juifs et des chrétiens. Et là, il se soucie des chrétiens d'Orient, c'est bizarre. Les chrétiens en Palestine, passez muscade. Parce que les chrétiens en Palestine se font molester aussi, ils sont victimes de violence. Et on n'en parle pas très souvent. Ce qui ne signifie pas que... Mais faut
remonter à l'origine. Comment ça se fait que les chrétiens maintenant au Mashrek, le Maghreb, donc c'est du Maroc à la Libye, et le Mashrek c'est de l'Égypte à l'Irak. Comment ça se fait que les chrétiens en Irak, en Syrie, ils sont victimes de ces massacres? Comment ça se fait? Qui a contribué à bousiller ces états? Qui a contribué à les pulvériser? Il faudrait peut-être revenir à la source, non? Si on veut s'attaquer au mal, on s'attaque à la racine. Je ne suis pas de dire, oh le constat, ah là là, des chrétiens qui meurent, oui, mais d'accord, mais qui en amont agit pour que cela ait lieu? C'est les États-Unis, c'est l'OTAN. Donc oui, ça Zemmour le dit aussi, mais il dit que c'est les musulmans, parce qu'ils sont musulmans, qui s'attaquent aux chrétiens. En fait, Zemmour, ce qui me gêne un peu chez lui, il semble aimer la France en opposition aux musulmans. Je sais pas si je suis clair un peu dans ce que je dis. Si. D'ailleurs, il y a une phrase, je le crois sincère quand il avait dit. Il y a une phrase, moi, qui m'avait choqué parce que tu en fais référence et cette émission, je l'avais vue en direct. Ouais. C'est lorsqu'il était face à Tariq Ramadan dans l'émission de Laurent Ruquier. Et il dit, moi, je suis un juif français, israélite français, comme disait ma mère, ça me va très bien. Voilà. Quand on lui demande à un moment donné, c'est l'acteur, je crois, c'est Francis Huster. Francis Huster, voilà, qui lui demande. Mais vous, Eric Zemmour, est-ce que vous êtes français? Et il réfléchit et il dit, je suis un juif d'abord, en fait, avant d'être français. En fait, souvent, parce que non, il reproche, en fait, dans ce pays, souvent, c'est les musulmans qui sont accusés d'être une cinquième colonne. Voilà, exactement. On dit souvent, musulmans, on leur reproche, on leur dit, oh, vous dites musulman français et non pas français musulman. Voilà. C'est-à-dire, vous mettez votre appartenance religieuse avant votre appartenance nationale. Eric Zemmour, il dit, je suis juif français, israélite français, comme disait ma mère. Bah, alors, on va pas reprocher à des musulmans de dire, je suis musulman français. Donc là, Eric Zemmour montre, là, il a montré dans cette émission qu'il était un tartuffe. Tout à fait. Ouais, voilà. Ouais. Et encore une fois, ce n'est pas des attaques personnelles. Dans le article que j'ai écrit sur Zemmour, c'est des attaques systématiques contre la religion musulmane. Ouais, voilà, c'est pas des attaques personnelles contre lui. C'est pour ça que je dis... C'est pas m'insupporte encore, je sais pas comment je pourrais dire. Ce que je ne peux pas accepter, que ce soit d'Eric Zemmour ou d'autres, c'est les personnes qui se prétendent courageuses, pourfendre de politiquement correct, en tapant sur l'islam. Excusez-moi, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Michel Houellebecq, Michel Onfray, Claude Imbert, le patron du Point, qui dit « je suis islamophobe », ça ne me dérange pas de le dire. Très bien, cette séquence, bien Michel Houellebecq qui avait dit la religion la plus con, c'est l'islam. Ah, il a le droit de penser, c'est pas mon problème. Je vais pas le chercher à le convaincre. Hein. Bon, enfin, il a dit des choses dégueulasses. Attends, oui, bon, on sait, l'islam est une religion blablabla de chameau. Voilà. 10 ans après, il a le prix Goncourt. Voilà. Alors ne nous dites pas que c'est courageux de critiquer l'islam. Ouais. Donc, c'est au contraire la voie toute royale tracée vers les honneurs et le prestige républicain. Non, mais... Donc voilà, Eric Zemmour, il essaie de se faire passer pour quelqu'un de courageux parce qu'il critique la religion musulmane. Non, on le dit solennellement et clairement, Eric Zemmour, vous n'êtes pas quelqu'un de courageux parce que vous critiquez l'islam. Vous alimentez ce climat délétère, non pas qu'il faille mettre la poussière sous le tapis et se regarder en chien de faïence et passer sous silence les problèmes qu'il peut y avoir entre les différentes communautés dans notre pays. Mais Eric Zemmour, non. Vous n'êtes pas courageux parce que vous critiquez l'islam. Tout le monde critique l'islam, monsieur Zemmour. Tu penses par exemple qu'un Soral il est plus courageux que Zemmour? Bah, ils se connaissent en plus ceux deux. Ouais. On l'a dit en plus, Alain Soral, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de risques et on peut penser ce qu'on veut d'Alain Soral, mais on ne peut pas lui enlever ça, c'est qu'il a, contribué au réveil, on va dire, à la prise de conscience de beaucoup, beaucoup de gens, sur Internet notamment, et à chaque fois qu'il a fait un passage dans les médias, ça a été très remarqué. Exactement. Mais donc, pour Alain Soral, il ne s'agit pas d'être d'accord ou de le voir en lui un gourou ou autre, mais il y a des choses que je ne partage pas chez Alain Soral, mais c'est quelqu'un, oui, il faut être honnête, c'est quelqu'un qui a contribué à réveiller beaucoup de gens en fait. Alors tu parles aussi toi justement tu critiques toujours parce qu'il y a pas mal de critiques c'est drôle mais tu parles vraiment qu'à un moment donné du drapeau algérien. Bon là je crois que je vais vraiment pas me faire d'amis. Le drapeau algérien bon t'es quand même assez critique quoi. Alors si tu critiques c'est les gens à un moment donné tu dis bon il y en a partout quoi. Il dit regarde un match Chili Paraguay il faut que je vois un drapeau algérien quoi. Alors regarde déjà une chose. Volontairement, je t'ai pas dit de quel pays du Maghreb j'étais originaire. Pour une raison toute simple, parce que les beurs, quand je dis les beurs, c'est ceux qui se comportent comme des beurs, parce qu'on l'attend d'eux. Ils ont une tendance détestable. Je sais pas si tu connais un peu la situation géopolitique du Maghreb actuel. Il y a une très grande rivalité, des tensions entre le Maroc et l'Algérie, notamment à cause des frontières et puis le Sahara dans le sud. Et, parce qu'en fait, l'ouest de l'Algérie, avant la colonisation française, était dans la sphère d'influence du Maroc, on va dire. Tout à fait. Voilà. Parce que c'est les frontières coloniales. C'est l'arbitraire des frontières. Là, pour le coup, c'est un cas d'école d'arbitraire. C'est la France et l'Espagne qui ont tracé, attribué ces frontières. Donc en fait,
si je dis un truc sur l'Algérie objectif, on va me dire ouais mais tu dis ça parce que t'es d'origine marocaine, blablabla. Et si je dis un truc d'objectif sur le Maroc, on va me dire oui mais tu critiques le Maroc parce que t'es d'origine algérienne. Et si je dis un truc, je passe sur la Tunisie, on va me dire ouais mais tu dis ça. Voilà. En fait, puis du Maghreb, je vous rassure, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Donc, tous les pays arabes en général même, voilà, donc de la Mauritanie à l'Irak. Hein, voilà. C'est comme ça c'est fait. Comme ça, vous allez arrêter de nous enquiquiner. En fait, le drapeau algérien, ce que je veux dire par là, c'est que quand on étudie son histoire, le contexte où, où on l'a fait, ce qui représentait à l'époque, le sang qui était coulé, qui était versé, pour qu'il puisse être brandi et élevé avec fierté, avec dignité, et qu'on voit ce qu'il est devenu,